La semaine de la solidarité, ça permet à un établissement comme le nôtre de découvrir, de partager, d'apporter et aussi de recevoir. C'est une journée à laquelle on consacre du temps aux autres. Mais donner du temps aux autres, c'est se donner du temps à soi. C'est un bon vecteur pour notre politique RSE dans le sens où c'est vraiment concret. Ils nous font tout de suite confiance, ça c'est valorisant. On sent qu'on leur apporte quelque chose, quoi. Ça c'est une bonne expérience. Ouais. L'après-midi, on est parti au Musée des Beaux-Arts, où là, on a eu une conférencière qui nous a suivis. Les mots ne suffisent pas, c'est des regards, c'est des gestes, c'est beaucoup d'amour et d'attention, de la tendresse, de l'empathie, c'est la vie. Des personnes qui étaient avec nous dans leur fauteuil ou accompagnées, avaient l'impression de refaire partie de la vie de tous les jours. Et puis, voilà, on s'intéressait à elles, on leur expliquait des choses. Et j'ai vu dans les yeux de certaines personnes plein d'étoiles. Aujourd'hui, je me suis investie sur le projet Ondine. On a planté quelques semis, on a repiqué des semis de salade pour les faire se développer. On a fait un peu de désherbage. On a construit ou reconstruit plus exactement un mur de pierre sèche. La partie qui m'intéresse, c'est la partie développement durable, mise en valeur de la région. Ici, nous sommes au forum des réfugiés à Vaux-en-Velin. J'ai aidé mes collègues et certains réfugiés à rénover une pièce en peinture. Et puis cet après-midi, normalement, nous prenons l'atelier construction de meubles en palette. Et de voir leur regard pétiller parce que on vient vers eux, on discute avec eux, on partage avec eux. Et pour eux, c'est une manière de découvrir aussi le pays, de se dire voilà, il y a des gens qui sont prêts à nous accueillir, à nous aider, quoi. Dans notre histoire, on a dans nos gènes, on a cette utilité par rapport à notre environnement. Et le fait de soutenir des projets au travers de ces 5 départements, on se rend utile aussi. C'est bénéfique pour chacun aussi, c'est bénéfique pour soi, c'est bénéfique pour tout le monde, ça peut qu'apporter du bon.